Allez. Ok. Ok, il est où le dernier? Ah. Ah, mais c'est pas des snipers. Qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel? Il est là. C'est bon. Vous pouvez atterrir. J'ai tué les snipers. Bien joué! Je suis en approche finale. Rejoins la tour de contrôle et appelle-moi une fois là-bas. Ok. Ok, qu'est-ce qui se passe? Un tyrolien peut-être? Je suis en position. Reste là et couvre-moi. Je dois assister à une petite réunion avant qu'on puisse parler. Si jamais ça tourne mal, je t'envoie un signal. Quel genre de signal? Si je dis Ronald Reagan, ouvre le feu et t'arrêtes que quand tous les méchants sont morts. Ronald Reagan? Très bien. Je vais garder cette fréquence ouverte, mais fais pas trop de bruit. J'ai vraiment pas besoin de distraction. Ce mec est du genre un peu nerveux, compris? Compris. Bien, c'est parti. J'ai le matos avec moi, exactement comme t'as demandé. Changement de programme. De quoi tu parles? J'ai dit changement de programme. Yuma veut que je vous ramène. Non mais tu déconnes. Je peux pas faire ça, on avait un marché. Vous et votre avion, vous allez nulle part. Je vous emmène voir Yuma. On doit bien pouvoir s'arranger, non? Y a rien à arranger du tout, mon pote. Chez moi, un marché, c'est un marché. On ne change pas comme ça, c'est anti-américain. Tu commences à me faire chier. Tu connais un... Je me fais canarder! Fais gaffe là-haut! Je suis pas fait exprès, j'ai appuyé sur la touche, les gars. Je me suis endormi sur le bouton, je crois. Sur ma vie, c'est la vérité. Allez, monte la cible! Putain! T'es méchant, arrive par le nord! Bouge-toi! Putain, mais je suis mauvais au sniper, enfoiré, me fais pas jouer au snipe quoi! Je suis une machine ou quoi, enfoiré là. C'est où c'est con. Contact au sud, descends-les. Je
Comment je fais là s'il se cache, mec? Je peux pas le tuer, lui, hein. Allez, vise! T'es pas sérieux, mec, tu veux me dire que... Imagine, je l'aurais eu comme ça, frère, j'aurais été mort derrière. Je suis à moitié en train de m'endormir, bordel. Un café? Ah, je bois pas mon cœur, ça. Alors, l'hélico, je le détruis pas avec ça. Oh fuck. Je croyais que j'allais détruire au sniper ou quoi? Allez, ensuite. Ensuite. Allez, vas-y, faut que je tue des gens là. Allez, y'a un mec là. Mais où c'est qu'il y a des munes? Mec, y a pas de munes! On va faire un coup de ouf là! Oh, ça va! C'est bon, ça m'a gonflé le snipe là. Mais comment les mecs ils me repèrent, je comprends pas. C'était une mauvaise idée. C'était très mauvaise idée. Mais il est où? Il était où lui de derrière là? Il était où le mec de derrière là? T'as raté quoi? Que de la merde. Je comprends pas, mec. Génial! Ils ont un hélico! Ah non, on va partir de là, frère, sérieux. L'angoisse. Et tous ceux qui viendraient venger leurs petits camarades.
T'as compris? C'est parfait! Sors d'où toi? Tiens, samouraï, fais-moi un câlin. En croire l'absence de fusillade et d'explosion, j'ai bien l'impression que c'est tranquille. Viens me voir à l'entrepôt, qu'on puisse enfin discuter face à face. J'aime bien le « enfin », tu sais. Ce chacun, là. Go, 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 je suis avec toi. Ça fait zizir, les gars. Vas-y, hein. On rejoint Willis. Ça fait 25 ans et je sais toujours pas si cette odeur vient d'une mauvaise hygiène ou de l'absence totale d'espoir. Moi, je sens rien du tout. Ça sert plus à rien que je joue la comédie. Mais alors, vous êtes qui? Regarde-toi. T'as une gueule de touriste et une âme de killer. On dirait un putain de loup en costume de berger. Beaucoup mieux que le connard que je me trimballais dans ma dernière mission. Mais, comme toi, c'était un patriote, le genre de type qui met la main sur le cœur dès qu'il entend l'hymne au match du 4 juillet. Gueule de touriste? Je bosse pour Langley, agent Willis Huntley. Langley, pour la CIA? Tout ce que tu dois savoir sur le meurtrier de ton père est dans ce dossier. Quel dossier? Le dossier dans l'avion qui va décoller. Oh, merde! Hé, hey, t'auras besoin de ça. J'en déduis que t'as le dossier. Ouais, et c'est illisible, votre merde. C'est censuré. Tu veux en savoir plus? Ferme ta gueule et donne-moi un coup de main. Et je ferai apparaître quelques noms. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis venu faire tomber Pagan Min et Yuma. Ce que les gens du coin n'arrivent pas à faire. Je croyais que vous étiez les meilleurs en matière de guérilla. Que vous étiez? Le Sentier d'Or a pas choisi la bonne méthode. Je suis là pour leur montrer comment on fait. Phase 1, on leur donne l'aéroport. Phase 2, on s'offre les services d'un certain AJ Gale. C'est toi. Reviens me voir ici quand tu seras prêt. Oh, et parle pas de notre arrangement au Sentier d'Or. Ils ont pas besoin de tout savoir. Maintenant, tu m'excuseras, mais je dois faire pleurer Caroline. M'en veux pas. C'est qui, Caroline? Putain de merde, c'est juste un méga trou dans le... Putain, je me suis enfoncé sur mon dans mon fauteuil. Mort de rire. Oh, Willis, il se retrouve dans le 4 alors. Au calme. Vas-y, on est retour. Faut qu'on retourne voir Willis, hein. Je crois qu'il y a rien d'autre à foutre. On a rien d'autre à faire, excusez-moi. Et je me dis, mais c'est quand qu'on avance là en fait? Jamais on la débloque l'autre île? C'est chelou. Salut toi.
Il y a des très bonnes choses. Ok, un sniper. Oh yes. Oh yes. Ça, ça va me donner la pêche, les gars. Oui, 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 je veux tout. Non, 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 qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? La lunette. La lunette optique, lunette laser, la lunette réflexe. Portée, précision. Oh my fucking god. Ça y est, les gars, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a. Visée laser, non? Je m'en fous ton truc là. Chargeur. Ok, peinture. Oh là là. La peinture qui coule. La peinture qui coûte plus cher que le bordel, tu sais. Ok. Donc ça c'est cool. On a débloqué quelques petits trucs supplémentaires aussi. On va changer d'arme. Parce que je vais pas vous mentir, le... celle-là elle était énorme. Je me rappelle que dans Far Cry elle était énorme. Dans le 3. On a bloqué le sniper aussi. Les armes spéciales. On a rien débloqué dans les armes spéciales encore. Parce que je fais que du caca. Chasse contrôlée encore 2. Ok, des trucs que j'ai pas... atteignez le 6 points de karma, d'accord, la déchiqueteuse. Oh, tu vois que c'est intéressant de monter les points de karma. Prédateur, terminer 4 escortes, oh putain. En mode quoi? 4 escortes armées, d'accord, j'en ai fait une je crois, une ou deux. Ok. Donc du coup j'étais en train de dire, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? La MK16 elle était pas mal aussi, non? Ah non, on prend la batteuse, on s'en fout. On met la batteuse à la place de celle-ci. On change un peu d'armes. On a marre là d'avoir toujours les mêmes armes. Arbalète, tac tac, M79. Je vais changer aussi, je vais prendre le lance-roquette. Le lance-flamme débloqué, ouais, on s'en fout un peu du lance-flamme. C'est quoi ça? Arme de poing uniquement. Ah d'accord, je peux pas avoir le truc. Ah ok, donc je suis obligé de le garder, ok. Et le M70 par contre, je vais faire une chose. Non, je le laisse comme ça. Ok, ok, ok. Putain, ça m'a reboosté d'un coup ce bordel là, d'avoir l'arbalète. J'espère que ça t'aidera dans ton aventure. Wow, 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 wow. Du calme, du calme, du calme, du calme. Ça va, y'a pas de problème, je vais pas te faire mal mec. Allez, ok. Compétences, j'ai débloqué des trucs ou pas? Rien du tout encore, putain, c'est un truc de malade. Oh. Ah mais attends, si, 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 le truc de Shangri-La, du coup, je l'ai débloqué. Ah, faites sonner les cloches, encore une. Ah d'accord, faut que je refasse encore une mission de Shangri-La pour débloquer ça en fait. Ok. Ça y est, on l'a, enfin, on a cette putain d'arbalète. Alors, je sais pas si ça fait du bruit ou pas. Non. Waza! Waza! C'est ma petite qui a rigolé, frère. Merci, gros. Merci pour le don, frère. Merci beaucoup, la famille. What the... Tu m'as réveillé frère, même si je te je vais pas te mentir là, je suis... Elle est morte de rire ma fille quoi. Elle dit qu'est-ce qu'il a papa, il est fou quoi. C'est quoi qui m'attaque? Mais t'es sérieux le sanglier? Mais c'est une mitraillette le bordel. Ça tue? Oui, oui, j'ai assassiné des montagnes d'innocents. Oui, j'ai interdit la religion. Oui, j'ai changé la monnaie en vigueur pour que plus personne n'ait rien. Et oui, pendant quelque temps, je me suis peut-être baigné dans du sang de yak en sniffant des rails de coke. Faut se bouger! Mais
Par contre, faut chaud savoir viser quoi. Oh le chip, il s'est envoyé une trace mon gars, mais genre de l'espace gros. Il a pas atterri chez Shangri-La là. Il a atterri direct gros. Je sais pas où, mais il s'est mis bien. Au calme l'arbalète. Tranquille les gars, tranquille. J'ai un petit moment de mou là, ça y est, ça revient là. Ah voilà, c'est toi que je cherchais, mon ami. Salut à toi. Salutations, ami terrien. Je voulais acheter ça, voilà. Amélioration mercenaire niveau 1. C'est vrai, je n'utilise jamais j'utilise ces trucs de mercenaire. Je suis vraiment une dinde. Attendez, j'ai combien de thunes là? Oh, j'ai que 489 000. Oh là là, ça va plus là. Et moi aussi, c'est fut un plaisir, mec. Ah, du coup, l'aéroport est notre ami. Kirat Airport. C'est quoi ça, King? 12 000 GG. Direct au paradis, pas mal. C'est reparti, les gars. Pourquoi GG, les gars? Tout ça, ça sert à rien. T'as oublié que t'étais américain? On frappe avant d'entrer. Où est le journal original? Je te l'ai dit, plus tu bosseras pour moi et plus je t'en dirai sur ce que t'as entre les mains. Allez. Monte, je vais te donner un avant-goût. Considère ça comme un acompte. Très bien, je vous écoute. Le jour où j'ai recruté ton père, c'était devant une bouteille de scotch dans un bouge sordide à Tirta. Il bossait encore pour Pagan Min à l'époque, les yeux tout humides et brillants. Quand Min a buté l'héritier du trône du Kirat, ça a chié des bulles, mon pote. Façon de parler, bien sûr. Quoi? Non, je vous entends plus du tout. Ne ville pas, dans le document que je te donnerai, ça t'aura fini ce boulot. Wada. Merci Belen, je fais plaisir frérot. Wada. Gros, merci frère. Attends, deux secondes, écoutez. Wada. Ah non, elle rigole plus. Ma petite elle rigole à chaque fois que je dis Waza, c'est quoi ce délire? Merci la famille. Tout est écrit dans la description, Dark Luffy. Le commandant second de Pagan Min, elle est venue avec lui de Hong Kong, mais elle a de la triade dans son yin yang. Tu sais ce que c'est le yin yang? Bien sûr que tu sais. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? On va s'en prendre à un des sites de Yuma et à l'homme. T'as juste à cliquer sur les liens que les modos misent, gros. On va faire à Yuma tout ce qu'on veut. Au calme. Merci infiniment, Belen. Merci à tous et un d'être là, ça fait vraiment plaisir. Oh, tuer ou être tué. Je kiffe. Ça y est, ça me réveille, les gars. Ça me réveille. Vous savez motiver, vous, hein, bande de chacals. Ah, ils m'ont mis direct dans la neige. Direct dans la neige. Ça va être frais. Ça va être très, 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 très bon pour nous, ça. Allez, les gars, il faut que je tienne le coup. Encore 3 heures, l'équipe. 3 heures de dinguerie sur ce jeu. C'est parti, en mode arbalète. On va tout niquer. Monastère d'Akash. What? Je me suis direct mangé. Ok, niveau de karma 4. Comment tu tues des trucs avec l'arbalète? Ça me compte en karma? Arrête. What? Ah ouais, c'est un truc de ouf. Ah non, pas tous. Hélico. C'est qui m'a repéré?
Oh, y'a la batteuse qui a tout niqué là. What the? Sexy Gao n'est pas Gao. Pardon, je t'ai. Je sais pas pourquoi je fais ça. Allez, je t'ai dans la tête là, arrête. En couille. Vous voulez un peu de neige les gars? En voilà de la neige. Eh hey mec, je mets toutes les flèches à côté. Mais c'est qui me tire dessus là? Il y a des gueules là gros. Oh, je me fais des alus frère. Bon vous savez quoi hein? Batteuse. Batteuse time. Batteuse time. Ok, il y en a marre de rigoler. Maintenez la pression. Et sort ta tête. Oh merde. GG à lui, GG à lui. Très joli, très joli. What? Tu meurs pas toi? Wow. Wow la famille, wow. Wesh Elsamp. Merci du subscribe Elsamp. Bienvenue dans le Beard Gang gros. Merci infiniment pour le soutien gros. Raté gamin, c'est pas le bon gars. Merci du soutien la famille. Bienvenue dans le gang gros. Archéologique de Yuma. Je veux dire, t'as qu'à buter tous les mecs du coin qui ont l'air d'avoir des jobs plus importants que laveur de chiottes ou nettoyeur de vaisselle. Y'a rien de plus américain que de tous les tuer et de laisser Dieu reconnaître les siens. Et appelle-moi quand ce sera fait. Alors on en parle que j'ai récupéré pratiquement tous mes carreaux ici. Ah là, je vise comme une brêle. Merci, merci gros. Ok. On en parle de mon chat qui est en train de se lécher sur la table. Chaton. What? What is a frog? C'est de moi que tu parles, bordel? Tu me conseilles le jeu à mort, Hicham, que je te le conseille. Attendez deux secondes, je vais juste actualiser le truc. À mort que je te le conseille. Atteignez le monastère abandonné. Easy. En fait, je sais pas s'il meurt du premier coup, donc je tire 800 balles, mais en fait... Et pourquoi il y en a qui meurent du premier coup ou il y en a qui meurent pas du premier coup? C'est bizarre quand même ce truc. Regardez, lui il est pas mort du premier coup. Peut-être faut l'avoir en haut du torse. Il faut faire comment pour sub? Je pense que les modos vont te dire, mec, directement. Tout est dans la description, les amis. Franchement, il faut juste aller dans la description. Vous avez tout qui est inscrit dans la description. Ok, récupère.